Il va le feu. Que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de Qui as-tu dans ce corps? Le feu dans ta bouche. Parle au nom de Jésus. Ta vie de paix. Faut parler au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Qui es-tu dans ce corps? Parle au nom de Jésus. Parle. Oui, parle. On n'attend pas. Le sang de sa bouche. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. On va te laisser. Parle au nom de Jésus. Je t'ordonne de parler au nom de Jésus. Sinon, j'appuie l'épée. Sinon, j'appuie l'épée. Le sang de Jésus dans ta bouche. Sinon, j'appuie l'épée. Le sang de Jésus dans ta bouche. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Prends le sang de Jésus. 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 Bois. Tu bois le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Parle. Qui as-tu? Qui as-tu? Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Je t'ordonne de parler au nom de Jésus. Qui es-tu dans ce corps? Parle au nom de Jésus. Viens, esprit de mort, parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. J'envoie le feu. J'envoie le feu sur toi. Au nom de Jésus. Je renvoie le feu au nom de Jésus. Le feu. 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 Le feu de Jésus. Tu es-tu dans ce corps? Tu es qui dans ce corps? Qui as-tu dans ce corps? Tu parles au nom de Jésus maintenant. Maintenant, tu parles au nom de Jésus. Tu parles au nom de Jésus. Qui es-tu dans ce corps? Tu parles au nom de Jésus. Tu es l'esprit de qui? Parle au nom de Jésus. Je mets le feu dans ta bouche. Sur ton cou. Parle au nom de Jésus. Le feu dans ta bouche. L'esprit de qui? Le feu dans ta bouche. Parle au nom de Jésus. Je mets le feu dans ta bouche. Eh, parle au nom de Jésus. Le feu dans ta bouche. Tu sais qu'au tombeau, Jésus vous a vécu. Tu sais ça? Il est sorti vainqueur. Tu sais ça? Vainqueur du tombeau. Tu sais qu'au tombeau, Jésus vous a vécu. Tu sais ça, non? Vous à la croix, à quoi? Tu sais qui vous a vécu? Aucun pouvoir. Tu sais ça? Maintenant, toi, tu es là. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Parle au nom de Jésus. Tu es l'esprit de qui? Tu es l'esprit de qui? Parle au nom de Jésus. Il y a l'épée. De sa grand-mère, de son oncle, de son papa, de sa tante. Tu es l'esprit de qui? Tu es l'esprit de qui? Parle au nom de Jésus. Tu es l'esprit de qui? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, mais tu ne sais pas. Maintenant, qui vous a livré cet enfant? Qui vous a livré cet enfant? Qui vous a livré cet enfant? Pour que vous le preniez pour le mettre dans les tombes. Qui vous l'a livré? Qui vous l'a livré? C'est à quel moment vous avez pris sa vie? À quel moment? Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. À quel moment vous avez pris sa vie? Tu vois que tu ne peux même pas t'arrêter. Parle au nom de Jésus. Tu es un squelette. Tu ne peux même pas t'arrêter. À quel moment vous avez pris sa vie? J'active le feu au nom de Jésus. J'active encore le feu. En 2015, vous avez pris sa vie. En 2015, vous avez pris sa vie. Et qu'est-ce que vous avez mis en lui? Vous avez mis quoi en lui? Qu'est-ce que vous avez mis en lui? Vous avez mis quoi dans cette vie-là? Vous étiez à l'entraîner. À faire quoi? À apprendre ce que vous faites. À apprendre ce que vous faites. Quel est votre travail?
Tenteront, c'est quoi? Par le nom de Jésus. Et l'esprit de mort, là, comment il a arrêté? C'est un squelette. Ton travail, c'est quoi? On va casser ses pieds de suite, là. Hmm? Ton travail, par le nom de Jésus. C'est pour prendre les enfants de Dieu pour mettre dans le travail de sorcellerie. C'est ça? Explique-moi, explique qui est dans ce corps-là. C'est pour prendre les enfants de Dieu pour mettre dans la sorcellerie. C'est ça? Et tu as déjà initié combien d'enfants? Tu as déjà mis combien d'enfants dedans? Tu n'as pas encore pris, mais tu étais sur le point de prendre. Et, tu, et qui tu voulais prendre? Hein? On t'a pas encore envoyé. On t'a pas encore envoyé. Maintenant, ce corps-là, toi, tu fais quoi dans ce corps? Tu fais quoi dedans? Tu fais quoi dans ce corps? Ce corps-là, c'est quoi pour toi? Tu connais pas et puis tu es rentré dans un corps étranger. Bon, sors dedans maintenant. Faut partir. Sors au nom de Jésus. Faut le libérer maintenant. Prends ta maladie et puis sors. Sors et puis tu t'en vas. Prends tes bagages que tu as mis là. Tu voulais utiliser son corps. Libère ce cadeau comme ça. Libère ce corps. Fais vite. Je vais casser tous tes jours maintenant. Casser au nom de Jésus. Je casse au nom de Jésus. Je casse au nom de Jésus. Là où tu as arrêté maintenant, je saisis l'épée du grand canage pour couper maintenant tes pieds. Je vais couper tes pieds. Je commence maintenant par la plante des pieds. Allez, je coupe la plante des pieds. Je coupe la plante des pieds. Maintenant, tes genoux, je mets l'épée ici. Je mets l'épée et je coupe tes genoux maintenant. Allez, je coupe tes genoux maintenant. Je coupe tes genoux maintenant. Je les découpe. Je les découpe. Je les découpe. Tout ton corps. Je taille ton corps. Je taille. 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 Je cette tête d'esprit de moi là, j'arrache la main de Jésus. Maintenant,
que le feu rentre dans ton cercueil. Au nom de Jésus. Le feu là commence à brûler ton cercueil. De venir te dévorer maintenant. Au nom de Jésus. Allez, maintenant, c'est ton dernier jour. Aujourd'hui même, tout ce que tu as mis en lui, tout ce que tu avais volé en lui, allez, va retirer tout. Pour retirer ce que tu vas lui donner. Sa santé. Vous avez volé sa santé. Vous avez volé sa santé, non? Et esprit de mort, vous avez volé quoi en lui? Parle au nom de Jésus. Allez, restituez ça. Restituez-le. Donnez-lui ce que vous l'avez volé. Et fais vite. Fais vite, au nom de Jésus. Dépêche-toi. Allez, tu as volé la foi, remettre ça là-bas. Allez, dépêche-toi, fais vite. Va lui remettre. Fais vite. Va enlever son âme dans ton secteur. Va enlever son âme. Fais vite. Cherche Jésus. Tu vois comme son nom est puissant, non? Cherche. Allez, va chercher. Allez, fais vite. Va chercher. Cette position que tu as pris là. Nous déclarons que le feu soit en bas de ton corps. Là où tu as assis là. Maintenant que le feu est en bas. Le feu est en bas maintenant. Faut bien le filmer. C'est un esprit humain de la sorcellerie. Tu as arrêté au lieu là-bas, tu as peur des démons. C'est un esprit humain de la sorcellerie qui est là. Vous voyez, regardez. C'est comme ça, on dit les sorciers mâchent les têtes. Vous voyez, non? La tête se trouve là-bas. Ça va, ça va être ici. Vous voyez cette position-là. Et c'est comme ça qu'ils marchent dans le monde de la sorcellerie. Vous voyez? Cet esprit...
commence à couper ses pieds. Commence à couper ses pieds. Au nom de Jésus. Commence par couper ses pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence par couper ses pieds. Je coupe. Commence par couper ses pieds. Je coupe. Commence par couper ses pieds. Coupe. Je fais ça voler. Commence par couper ses pieds. Commence par couper ses pieds. Coupe. Je coupe tout là. Au nom de Jésus. Je prends l'épée pour t'opérer maintenant. Au nom de Jésus. Je t'opère maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'opère. Au nom de Jésus. Je t'opère. Je t'opère. Au nom de Jésus. Maintenant, ma porte est sur toi. J'enlève. Au nom de Jésus. 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 Maintenant, vous êtes couché là. Mettez le piment du Saint-Esprit. Tu manifestes, tu pousses ton dernier cri, tu quittes là. Nom de Jésus. Tu le libères maintenant au nom de Jésus. Démon, tu pousses ton dernier cri et tu t'en vas maintenant. Manifeste, tu pousses ton dernier cri, tu sors de ce nom là. Et tu ne reviens plus jamais dans sa vie. Regarde ta langue là, je coupe ça. Au nom de Jésus. Je saisis ta langue. Au nom de Jésus. Je saisis ça. Tu es une adoration. Le nom de cet enfant-là. Allez, enlève ça dans ton lieu d'adoration. Au nom de Jésus. Et va vite. Enlève son nom au nom de Jésus. Et va ça vite. Au nom de Jésus. Fais vite. Voilà, tu vas effacer ça. Allez, efface ça. Fais vite. Fais vite. Dépêche-toi. Fais vite. Au nom de Jésus. Dépêche-toi. Tu es repéré.
Tu as été réveillé. Dépêche-toi au nom de Jésus. Allez, fais vite. Fais vite. Fais vite au nom de Jésus. Va prendre son nom. Va prendre son nom là. Tu vas enlever ça là-bas. Fais vite au nom de Jésus. Lève-toi. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Va chercher. Lui là, il avait mis une corde à la hanche que je suis en train de voir dans le spirituel. Il y a une corde à sa hanche ici avec une courie comme ça dedans. Et puis c'est natté en forme de marron. Seigneur, je prends l'épée maintenant. Je saisis cette corde là. Et je coupe ça. Nom de Jésus. Voilà. Maintenant, je coupe sa tête. Au nom de Jésus, je coupe ta tête. Au nom de Jésus, je coupe ta tête. La tête de ses enfants, je coupe ta tête. La tête de ses enfants, je branche les pieds. 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 Dans ce corps, sinon, je vais envoyer maintenant les loups, ils vont te bouffer maintenant. Dévorer. Deux. Allez, trois. Allez, libère maintenant. Libère. Ok, puis tu quittes là. Allez, tu pousses ton dernier pied. Voici le feu de l'abîme là, c'est ouvert. Ça, c'est pour vous. Toi, tu ne peux plus rester dans le corps d'un homme. Celui-là, il ne va pas vous servir. Il dit, lui, c'est Jésus-Christ, il veut servir. Au nom de Allez, Jésus. Maintenant, ça, c'est tes dernières manifestations. C'est tes dernières manifestations. Allez. Libère maintenant. Libère.
Au nom de Jésus, esprit de poro maintenant. Maintenant, la parole de Dieu déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour tous les enfants de Dieu qui sont Jésus. Pour tous les enfants de Dieu, selon Romains chapitre 8. Alors cet enfant n'est plus esclave de quelqu'un. Vous retirez votre malédiction sur lui. La vie spirituelle que vous lui avez fait porter là. Je verse l'essence du Saint-Esprit sur toi maintenant. Et j'allume le feu. Voilà, maintenant, tu consumes. Le feu maintenant, ça te consume.
Fais le feu. Sors de Jésus. Maintenant que ce corps-là soit libéré. Au nom de Jésus. Maintenant même. Seigneur, fais grâce. Venez faire terrasser ces démons-là. Au nom de Jésus. L'armée de Jésus-Christ est là, est en mouvement ici à Sakassou. Au nom de Jésus. Toi qui es dans les environs, toi-même qui es à Sakassou qui nous suit, toi qui es de partout, je te donne l'adresse de l'église. Jésus revient international, le réveil international, Jésus revient. À sa tête, l'apôtre Abraham, à Bassam. Bien-aimé, nous sommes à Bassam, nous sommes à Boaké. Nous sommes à Yamsoukro, nous sommes à Boundiali, nous sommes à Bandoukou, nous sommes à Boaké, nous sommes à San Pedro, nous sommes à Gagnoa, nous sommes un peu partout dans le monde entier. Nous sommes au Burkina, nous sommes, bien aimé, au Bénin, nous sommes au Togo, nous sommes partout. Alors, tu cherches la délivrance, c'est gratuit, on ne paye rien, tu ne payes rien, fais ton déplacement, viens. Les hommes de Dieu vont t'aider. Vous voyez les enfants comme ça. Un enfant de... Il a quel âge? Il a 13 ans. 15 ans. Un enfant de 15 ans. Regardez les démons qui sont sortis en lui. Ce n'est pas des petits démons. Si ces démons-là résident dans le corps de cet enfant, un enfant qui dit que lorsqu'il dort, il se retrouve dans une tombe. Tous les jours, il se retrouve dans un cercueil. Mais quand Jésus revient et est rentré ici à Sakassou, il a commencé à prier avec Jésus revient. Il ne se voit plus dans le cercueil. Mais le Seigneur demandait qu'on fasse sa délivrance. Et pendant la délivrance, nous avons vu qu'il y avait l'esprit humain de la sorcellerie qui était dans le corps de cet enfant qui se manifestait. L'esprit humain a eu à dire comme ça que lui, il était en train de le préparer pour pouvoir venir maintenant sur terre pour aller initier les enfants. Et gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth qui a permis que nous soyons dans le Vébaoulé à Sakassou. Véritablement pour ces cas-là. Bien aimé, pour que cet enfant-là soit libéré. C'est un élève, il fréquente. Bien aimé, cet esprit-là est dans ton enfant. Ton enfant ne va pas arriver loin dans les études. L'enfant même peut aller dans les études, il peut avoir les diplômes, mais jamais il ne va travailler. Parce que l'esprit humain et ces genres d'esprit-là, l'esprit mort l'anime. Quand on dit un esprit de mort, là où il y a la mort, rien ne bouge. Tout est arrêté là-bas. Alors, rien ne va bouger dans la vie de l'enfant. Alors, nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Pour toi qui nous écoutes, toi qui nous entends, peuple de Sakassou, le vendredi encore, on a un programme de veillée. Alors, nous sommes là à partir de 21h. Et le samedi, pour toi aussi qui n'es pas baptisé selon la sainte doctrine, le baptême fait au nom de Jésus-Christ, le samedi, nous irons encore au jour du baptême. Alors, bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Tu as entendu notre voix. On a été au marché, on t'a interpellé là-bas encore. Donc, shalom, shalom, le Seigneur nous bénisse. Les mamans, vous allez parler un peu. Allez-y. Venez la caméra chez les mamans. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Voilà, le Seigneur va bien dormir quand il va se lever.